Le secteur du poisson joue un rôle important dans l'économie ivoirienne et devient l'un des principaux produits pourvoyeurs de recettes douanières. Au titre de l'année 2012, la contribution du poisson s'est chiffrée à 19 milliards de francs CFA pour un volume d'environ 300 000 tonnes. Toutefois, la création du bureau des douanes du port de pêche connaît des difficultés dans son fonctionnement. Les questions relatives à l'origine, aux entreprises franches, à la nationalité des cargaisons, à la non-prise en charge des régimes autres que les mises à la consommation, sont autant de difficultés que connaît le bureau port de pêche. Par ailleurs, les opérateurs économiques trouvent que le délai de dédouanement du poisson est trop long et coûteux. Concernant le photon, la prise en charge, l'évaluation et le cadre institutionnel, notamment sa définition, rencontre encore des difficultés. Pour éviter que l'existence de ce bureau de douane ne se termine en queue de poisson, la nécessité d'élaborer des stratégies novatrices pour le dédouanement s'impose. Ces assises devront permettre de définir de nouvelles normes de procédure de dédouanement du poisson qui répondent aux exigences de facilitation, de célérité et de sécurisation des recettes douanières.